Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lydie, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et droit des apatrides. Aujourd'hui, je travaille à Paris avec les personnes en situation irrégulière tous les jours à les orienter, à les sensibiliser sur la matière du droit des étrangers. Et dans quelques minutes, je vais faire un live sur TikTok, YouTube et Facebook pour vous parler des motifs pour lesquels on peut vous ajourner lorsque vous faites une demande de nationalité française. Alors, il y a énormément de motifs pour lesquels on peut refuser de vous donner la nationalité française. Alors, il ne faut pas confondre. On peut vous refuser et on peut vous ajourner. Ce n'est pas la même chose. Alors, les cas d'ajournement, je vais citer quelques cas ici pour ceux qui ne verront pas le live. Eh bien, on peut vous ajourner parce que vous êtes très endetté, parce que votre famille est hors du pays, parce que vous avez hébergé quelqu'un en situation irrégulière, parce que vous êtes resté en situation irrégulière, parce que vous avez eu des condamnations. Venez voir la suite en live.